Bon allez, hop, on est à 802 km, donc le scooter a chauffé depuis maintenant 5-6 minutes. Donc je commence à être bien chaud au niveau du moteur. Maintenant on va rouler un petit peu tranquillement. Puis ensuite faire une petite pointe de vitesse. Tout ça pour l'enregistrer sur, hop, si vous regardez là, il y a mon téléphone qui est caché mais qui enregistre tout. Donc attention, ça va tourner un petit peu le temps que je fixe la caméra. Vous verrez peut-être pas le compteur parce que c'est pas très très pratique par rapport à la fixation. Je vais fixer la caméra puis vous allez faire un tour avec moi. Allez, on y va, c'est parti. Ah, je vous avais dit que ça tournerait. Bon, on va essayer de le régler correctement. Voilà, donc là ça va être réglé, j'ai enfilé le casque et les gants. Et puis on va faire un petit tour. Donc on va commencer par une bonne dizaine de kilomètres par des petites routes sur Nantes, histoire de chauffer un petit peu, puis ensuite on fera un petit peu de férif pour voir ce qu'il a dans le ventre. Bon, ça a l'air de pas être trop mal cadré. On va essayer de voir si ça bouge ou pas. Allez, c'est parti.
se trouve devant moi est une pauvre grande ligne qui n'a pas de talent, non? Bon, le moteur est chaud, c'est bon, je vais dépasser le tuto là. Il est gentil, il commence à m'en supporter. Thank you.
Bon, comme vous aurez pu le constater, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc ceci dit, je sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure, c'était marrant quoi, parce que c'était mon ancien scout qui était devant, un grand Dink, donc on a fait un petit peu de route ensemble, voilà. Côté pointe, j'en ai fait une petite là, grand max, 110 km/h, 9000 tours, impossible d'aller plus haut. Donc je vais reprendre la 4 voies dans l'autre sens. Si vous faites bien attention, vous verrez, il y a un petit panneau indicateur de vitesse, et puis après derrière, il y a un radar un peu plus loin. Donc il faudra que je fasse attention à pas non plus aller trop vite au niveau du radar. Par contre, le panneau peut être intéressant pour voir réellement à combien il me prend. Ceci dit, moi, à chaque fois que je suis passé devant, il me prenait en dessous de la vitesse standard. Donc je sais pas du tout comment fonctionne leur truc, s'il faut avoir un gros véhicule pour se faire bien flasher ou pas. Donc à voir. Donc je vous redonne ça dans l'ordre. Normalement j'aurai le vent dans le dos si je me trompe pas. Et puis on va ou sur le côté, on verra en fonction. Puis je vous retiens au courant. Allez, à tout de suite.
Bon ben voilà, donc encore une fois, hein, 110 maxi, 9000, bon allez, j'ai fait 9100 tours, 9200 tours, c'est déjà pas mal. Donc bah j'en sais rien, je sais pas quoi en penser, est-ce qu'il faut qu'il se débrouille ou pas, à voir par la suite. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut !